Et yo, mes chers regards, c'est Oxodome, comment allez-vous? Eh bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil Village, mais aussi pour le 13e épisode du Let's Play. Comme vous pouvez le voir, dans le 12e épisode, j'ai galéré un petit peu à trouver le passage suivant. Et du coup, j'ai enfin compris pour avoir ce foutu trésor des Beneviento. Alors, bien entendu, fallait chercher la boule en question qui nous mène au labyrinthe. Voilà, qui est la boule qu'on insère dans le labyrinthe. Ça me rappelle le petit passage du château de Dimitrescu. Alors, c'était une boule, je sais plus c'était quoi la boule en question. Et du coup, bah avec notre stick analogique, on devait incliner pour enfin atteindre le point B, bien évidemment. Et là, je suppose que ça va être la même chose. Donc, voilà. Et l'objet en question se situe... bah, pas loin de l'entrée du trésor Beneviento, enfin du cimetière, là où se situe le trésor, bien entendu. Et aussi, autre passage pour continuer, aller à la maison de Moreau. Je sais pas si c'est la maison de Moreau. Voilà, au passage de Moreau. Bah, bien évidemment, fallait que je crée un passage. Et je vous dis pas comment, vous allez le savoir un petit peu plus tard, bien évidemment. Donc, ce qui serait pas mal aussi, c'est que je regarde une petite vidéo pour comment trouver les trésors. Enfin, pas comment, mais voilà, où se situent les trésors. Mais comment les prendre aussi? Parce que j'ai pas envie de faire la même erreur que j'avais faite, malheureusement, durant le château de Dimitrescu. Eh ben, malheureusement, je ne peux plus y aller. Voilà, je l'ai dans le cul, je ne peux plus y aller. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, lorsqu'on a battu Dimitrescu, on peut plus y retourner, hein, c'est un peu dommage, c'est vraiment... je trouve ça con, quand même. Donc, voilà. Et résultat, pour le trophée, bah, je serais obligé de recommencer à zéro. Bon, après, c'est pas très grave, c'est juste pour le let's play, bien évidemment. Donc, avant de faire le con, faudrait que je regarde une petite vidéo, je sais que ça peut paraître de la triche. Alors, la boule soleil et lune se situe juste là, voilà. Et du coup, bah, je sais que ça peut paraître de la triche, certes. Mais voilà, c'est juste pour le trésor, quoi. Et surtout, il y a une arme. Alors, quelle est l'arme en question? J'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas fouillé sur YouTube. Donc, je découvre moi-même. Sinon, ce n'est pas du tout marrant. Bien évidemment. Bon, après, Galax, il fait des explications là-dessus. Mais voilà. Donc, pour l'instant, je ne regarde pas de vidéo de Galax, forcément. Voilà, la boule qu'on insère ici. Voilà, on incline, tac. Les virages. Oh, bah c'était facile. Le crâne noir de Jaïs. Ok. Ça doit valoir une fortune, ce bordel. Logiquement, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait que je peux pas y retourner? Oh, mon Dieu. Oh, mais fallait faire le tour. Oh, mais je suis vraiment débile. Ok. Wouah, ouais, non. Il est trop puissant. Alors, je vais m'équiper du lance-roquette. Enfin, du lance-grenade. Le couteau. Grenade explosive, ok. Je les ai. Oh putain, je pourrais faire. Non, j'ai loupé mon shoot. Oh, j'en peux plus. J'ai loupé mon shoot. Quelle merde. Enfin, j'ai loupé mon tir. Ok. Je vais placer les mines. Raccourci. Ici.
Ok. Let's go. C'est chaud de patate, hein. Alors attendez. Putain, j'ai plus de rien. J'ai plus rien pour les explosifs. Oh, je vais dans la merde. Oh le bordel. Est-ce que j'ai encore des... Ah putain, j'ai plus rien. Ah, j'ai plus de poudre noire. Oh, c'est un bordel. J'ai plus de balles de snipe. J'ai plus de... balles de pistolet. Ah si, il m'en reste encore. Remarque. Oh la vache. Oh fils de chien. Il m'a niqué. Ok. J'ai le droit qu'à une chance. Oh putain la vache. Oh putain. Wouah. Oh putain, j'ai qu'une balle. Et merde. Ah putain, il va falloir que... que je m'équipe du Lemmy. Ah, il est mort. Oh putain de merde. Oh le bordel, putain, j'ai perdu un temps pas possible. Mon dieu. La calice. Ok. De toute façon, je vais vendre le Lemmy. Voilà, c'est décidé. J'ai pris la décision de vendre le Lemmy et le pompe basique. Parce que voilà, je vais pas aller hyper loin avec ça. Oh putain la vache. J'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai eu de la chance de ouf. Hein. Putain, la vache. Oh là 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 là. Ce serait la catastrophe. Hein. Du coup, c'est bon. J'ai tout loot. Combien il me reste de lay? Oh, bah ça va. Oh putain. Et là, va falloir que je loot de partout. Hein. Ah ouais. Va falloir que je loot sur tout ce qui bouge. Ah la vache.
Ok, on va aller voir Pierre Ménez. Vous cherchez quelque chose en particulier? Bon! Alors, je vais voir. La marchandise est plus important que voilà, tout. Pour le Lémi. Ah, ça oui, mon ami. Ça fait qu'au total. Ah, mais je serais à combien? 150? 170? Wow. Ouais, c'est 10 par 10, hein, je crois. Donc, ça vaut pas énormément le coup. Donc, voilà. 800. Et lui, je serai à 840. Donc voilà, ça vaut pas énormément le coup. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que autant vendre les armes. Donc voilà. Oh putain, 50 000. Oh, je peux en tirer pour 50 000. 65 000. Oh la vache. Oh la vache. Le crochet, le Lémi. Je le garde, le M1911. Mais n'empêche, si je vends tout ça... Oh. Oh, 500 000 papa. Ah non, 50 000. Le lance-grenade. Donc, voilà. Je vais garder le pompe. Le M1911. Donc, le Lémi et le M1897 sont à vendre. Parce qu'ils ne me servent pas à grand-chose. Le collier incomplet, je vais garder. Ne faites pas attention à moi. Puissance. Voilà. Laissez-moi faire. Capacité. Cadence de tir. Ah ah. Ah ah. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à acheter? La crosse améliorée, bon. Bof. Ouais, le Lémi, hein. Réduit les tremblements de la visée. Ah bah, ça va paraître... Ça m'avérait très utile. Voilà. C'est un investissement, Ethan. Bon, le rechargement va être très important aussi. Ah, ça y est, c'est terminé. Et voilà. Ah ben voilà. N'empêche, mine de rien. Waouh. Je me suis pas mal. Waouh, je me suis pas mal. J'ai pas avoir mal hâte, mon arme. C'est être en vie. Bon, allez. Pour donner un petit peu plus de style pour le pompe. Et puis voilà, ben voilà, je suis bien. De faire bonne route. Et on va sauvegarder, et voilà. Et je suis pas mal. Franchement, j'ai bien up. Hein. Vraiment, j'ai bien up. Donc là, ce qu'il me faudrait... Ah putain, la vache, c'est un foutu bordel. Bon. Donc voilà, la bombe tuyau. Logiquement, ça devrait être bon. Voilà, c'est ce fameux endroit. Fameux endroit. Donc, voilà. Lac artificiel. C'est recouvert d'une substance visqueuse. Ah, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Et voilà, chose qu'il fallait faire. Oh la vache. Est-ce qu'on peut le détruire ici? Non. Ah là 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 là, quelle merde. En espérant que ce passage-là ne fasse pas super peur, qu'il ne fasse pas flipper. Contrairement à l'autre passage... Oh là là, mais je vous explique pas. La catastrophe totale lors du passage de Beneviento. C'était horrible. Je n'ai jamais flippé comme une grosse merde de toute ma vie sur un jeu vidéo pareil. À la base, Resident Evil, pour moi, c'est pas un jeu qui est censé te faire peur. C'est plus un jeu de tir.
Alors oui, okay, certes, j'ai peut-être flippé sur un des infectés qui est l'Iron Maiden. Vous savez, l'espèce de momie là, bizarre là, où vous allez dans la morgue. Parce qu'au final, voilà, je sais pas comment expliquer, il vous met un coup surpuissant, vous perdez la moitié de votre vie. C'est vraiment... waouh, c'est vraiment terrible, quoi. Bon. Il faut des objets. Ok. Donc, dans ce moulin, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a un point de sauvegarde. On va sauvegarder régulièrement. Même s'il y a des sauvegardes automatiques. Photo d'un animal rare. Ok, il y a des photos à prendre, sûrement. Ok. Logiquement, faut aller au sous-sol. Bon, ça a l'air de calme. Oh putain, puis j'y repense. Quand j'y repense, je me dis... Ah ouais, putain, je m'en suis tiré d'affaire. Et c'est vraiment cool de s'en tirer d'affaire. Parce que bordel, quand je vois le bébé, enfin, pas le bébé, mais genre le monstre qui avait le cri de bébé, Beneviento, qui utilisait ce monstre avec le cri de bébé, genre limite robotisé, et genre quand il nous bouffait, quand il me bouffait tout cru, qui fait... je m'en suis rendu compte et j'ai revu le passage. Dès qu'il m'attrapait, dès qu'il me bouffait tout cru. Miam. Ah ouais, non mais franchement, quand on entendait les cris du bébé, les pleurs, enfin pas vraiment les pleurs, mais genre quand il parlait, quand il faisait des aïe aïe, genre plein de choses comme ça, c'était, ah c'était juste, c'était flippant quoi. Ah c'était flippant. J'espère que ça n'a pas l'air d'être flippant. On va voir ce qu'il y a. Et surtout, j'ai que 3 balles. Ah, ça va, j'ai 6 cartouches. Donc, si c'est des zombies, si c'est des infectés, ça va. Cela me convient. Ah, ok, il faut la clé ici. Ok. Là, il n'y a rien à loot. Bon, bah, ok. Ça a l'air d'être tranquillos. Oh putain, ça pue le coup de pute. Oh mère Miranda, pour vous, je ferai n'importe quoi. Salut BG. Je me permets de prendre ça? Avec l'enfant spécial de ma mère. C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à redire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Te fous pas de ma gueule. Attends, 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 s'il te plaît. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Si jamais, je fais mieux qu'eux. Ah, franchement, il me fait trop rire. Alors, les autres vont se moquer de moi. Ah, franchement, lui, il a l'air d'être moqueur. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il ironise. Ou alors, s'il est sérieux, c'est que il est vraiment con. Mais à mon avis, je pense qu'il ironise. On a rien à foutre. Attends, encore un petit peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile, tu parles trop. C'est terminé. Tu es pris au piège. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ça? C'est bon, territoire. Et jamais
Je te laisserai partir. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Putain de taré. Mais ça veut dire que je serai dans la merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais faut m'expliquer! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wouah! Mais ça a l'air de l'acide! Mais ça a l'air d'être de... Mais c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça veut dire que je serai pris au piège? Et là, faut aller où? 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 Oh, Michel! Oh, mais... Comment je sors d'ici? Mais c'est quoi ce bordel? Hein? Ok. Mais c'est un bordel! Oh le bordel! Ça va, ça m'a pas touché. Mais j'avais l'impression que ça avait l'air d'être acide. Je sais pas pourquoi. Ok. Un bateau. Superbe. Tranquille. Ouais. Est-ce que je peux y aller chercher le trésor comme ça? Il y a un risque? Non, je suis obligé d'aller chercher le bateau. Bon, ok. Ok. Mais avant tout ça, il faut aller loot. Laisse la clé du bateau dans la cabane au fond de la mine. Hans est mort et je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête la pêche pour le moment. Sa mort n'était pas un accident. Le pauvre s'est fait bouffer par un poisson géant, lui et son bateau. Ah, c'est Boro. Enfin, le poisson géant, plus ou moins, mais... Je sais pas, c'est Moro. Enfin, tout ce que je sais, c'est que Moro est dans le coup. Et d'ailleurs, ça va me rappeler légèrement RE4, je sais pas pourquoi. Mais est-ce que je suis armé jusqu'aux dents pour ça? Je n'ai pas la clé pour ça. Ah, faut que j'aille chercher la clé. Attendez, il y a une clé? Ah, ok, oui, ok. Ouais, je me disais, putain, mais comment ça se fait qu'il faut ce genre de bateau? Comment ça se fait qu'il faut une clé pour ce genre de bateau? Du bateau au fond de la mine. Okay, attendez, attendez, j'ai pas trop compris. Dans la cabane au fond de la mine, ouais. Mais comment y accéder? Mystère, mystère. Oh putain, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que il est quand même, il y a quand même de la difficulté dans l'air. Faut savoir utiliser de la jugeote. Faut avoir un petit peu d'intelligence dans ce jeu. Parce que si on n'a pas tout ça, bah c'est qu'on est dans la merde. Dans la cabane. Où est-ce qu'elle est la cabane? Et du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Munitions pour pistolet, c'est pas mal. Ah, je ne peux plus passer. Oh, je suis dans la merde. Bon, bah, merde. Oh, c'est... Et quand il disait que j'étais pris au piège, je me suis dit, ouais, ça va m'emprisonner. Ça va être un coup à me tuer. À me provoquer des dégâts. Ça a l'air d'être facile, mais non, pas du tout. La clé. Mais, la clé, au fond de la cabane. Est-ce qu'elle est la cabane? Il n'y a rien. Oh. Dans la cabane, au fond de la mine. Mais où est-ce qu'elle est la mine? Dans la cabane, au fond de la mine. A priori, la mine, c'est là où je me suis fait courser. Enfin, pas vraiment courser, mais... Dans la cabane, au fond de la mine. Fragment cristal.
Tiens, bah je vais en avoir besoin, c'est très important. Oh putain, et là je suis en crise. Hein. Je suis en crise. Je suis vraiment en crise dans le sens où... Ouh là 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 là. Ça va être un bordel. Ça va être assez bordélique. Alors... A priori, j'ai tout goûté. Il y a un objet à prendre. Ouais. Le point d'exclamation. Bah merde. Oh là 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 là. Mais c'est terrible quand même. Hein. Vraiment, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je me demande où est-ce qu'ils ont laissé la clé. Dans le fond de la mine. Ça va être compliqué, hein. Putain, il peut pas y aller à la nage. Il y a bien un truc, quelque part, en coin, je ne sais pas. Oh là 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 là. Mais oui, il y a bien quelque chose. Oh là 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 là, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oh là 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 là, c'est compliqué. On peut bien passer par là normalement. Oh là 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 là. Oh, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la cabane dans le fond de la mine. Je sais pas, moi. Il y a bien quelque part. Il y a bien quelque chose, quelque part. La cabane, bah attendez. Oh là là, bon, je vais rechercher. Dans le fond de la mine. Oh là 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 là, je vais encore prendre du temps. Oh, c'est catastrophique. Hein. Oh là là, déjà que j'ai pris énormément de temps avec l'autre. L'autre boss là. Ah, il m'a fait... Il m'a créé la crise. Hein. Ah là, c'est à cause de lui que je suis dans une crise. Pas possible. Ah putain, puis j'ai plus d'explosifs. Oh. Attendez. Qu'est-ce qui peut sembler logique? Putain, puis j'ai le roi qui a... Ah, putain. C'est bien ça, normalement. Pourquoi il dit ça? Oh, mais non, il n'y a rien. Non, c'est pas ça. Oh merde.
Bon, bah, je suis obligé de recommencer. Ça va. Normalement, j'ai sauvegardé durant la cabane. Donc, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ah bah merde, je suis obligé de raffronter... Ah merde! Mais j'ai sauvegardé pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah merde, j'ai fait con. Mais... Pourtant j'avais bien... Oh c'est chelou ça. Bon c'est pas grave. Ah bah j'ai fait le con, hein. J'ai fait de la merde. Bon, on va passer la scène, hein. Vu que vous l'avez vu. Voilà, on a vu la scène. Putain de taré. Oh là là, c'est une galère, j'en peux plus. Oh là 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 là. Comment je fais pour galérer? Oh, je suis vraiment une galère, moi. Ah, je suis vraiment une galère dans ce jeu, hein, dans ce genre de jeu. Je flippe. Comme une grosse merde. J'ai du mal à chercher bah, des idées. Pour avancer, pour progresser. Oh là 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 là. C'est la totale. Normalement, il y a bien quelque chose à faire. Oh, je suis en crise, hein, quand même. C'est pas du tout. Dans la cabane au fond de la mine. Oui. Et où est-ce qu'elle est la cabane? Où est-ce qu'il est le fond de la mine? Oh là là. Pas d'ouverture. Ah, c'est fou quand même. Ah là là, ce jeu, c'est vraiment une galère. Ah mais j'avais pas besoin d'explosif. J'avais pas besoin d'explosif. Oh putain. D'accord. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'était ça? On peut bien y aller.
Mais comment y accéder? Attendez. Et si je faisais une Mohamed ennemie avec une arme à feu? Chelou. C'est extrêmement chelou. Ah là 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 là, c'est une galère. Oh là 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 là, mais quelle galère, mais quelle galère. Il y a bien quelque chose à faire. Au fond de la ligne. Si, on peut bien y accéder, normalement. Oh là 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 là, j'en peux plus, je sais pas comment je vais faire. Ah là là, je suis en crise économique, je suis en crise totale. Je suis en crise. À la moindre guerre, je la perds. Je serai meurt. Je serai dans une merde fatale. Vous imaginerez même pas à quel point... Ce sera la catastrophe totale. Si on perd la guerre, ça sera tout à fait normal. Fallait détruire tout ça. Toutes ces merdes. Eh ben écoutez. On va les voir. Chose. Aïe 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 aïe. Ah, il y a bien quelque chose. Vous savez quoi, on va s'arrêter là, malheureusement. Puis je vais en profiter pour rechercher. Pour rechercher des astuces. Enfin, pas des astuces, mais. Comment y accéder, quoi. Voilà, bien évidemment. Bon, encore un épisode catastrophique. Hein. Désolé si ça vous a pas plu. Je sais, c'est ennuyeux, malheureusement. Il n'y a pas eu grand chose. Mais par contre, si vous avez comme des mémés, hein, voilà, posez-vous une gasque, vous commentez, vous vous abonnez, vous partagez. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça se passe en description. Et puis, suivez-moi sur Twitter parce que c'est le réseau auquel je suis le plus actif. Si vous ne suivez pas sur tous les réseaux, pas grave. Du moins qu'à Twitter, c'est que vous avez tout compris. Excusez-moi. C'est simplement.
Eh bien voilà, voilà, mes chers Mungasku, c'était Oxenom, supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet, Munegu.